Hey, salut à tous et à toutes, c'est Cafeu et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 sur Pokémon Blanc 2 en Random Zop Challenge. Donc dans l'épisode 3 je vous avais dit que j'étais en vacances, que j'avais pas une très bonne co, mais finalement l'épisode s'est upload avec au bout d'une heure, ce qui est plutôt rapide hein, donc il y aura pas de problème vis-à-vis des uploads. Je pensais que ça allait être beaucoup plus long que ça, donc finalement une heure c'est très bien. Ça ne me dérange pas, c'est nickel. Donc on est parti, donc j'ai fait un petit up des Pokémon. Donc on va voir Larvouille au niveau 8, Carnage au niveau 9 et Arijone au niveau 9. Donc en fait j'ai fait up que Carnage. Donc on va continuer l'aventure. Donc nous étions là avec un bon chien et ses deux jeunes gens et cette dame en vert qui soigne nos Pokémon. Donc je peux vous assurer que pendant mon upage de Pokémon, il y en a aucun qui soit mort. Alors on est parti. Donc je me rappelle à peu près de ce qu'il faut faire. Donc là on va devoir coincer le pont chien avec donc notre ami. Alors le pont chien, tu crois qu'il est parti encore plus loin? Bah ok, d'accord, très bien mon ami. Alors je préfère slalomé. Oula, en fait, on va faire des petits combats, c'est pas grave les gens. Allez, let's go. Bon, je vous mettrai des musiques de fond. Là, je vais essayer de faire une petite ellipse pour vérifier. Alors, ellipse. Bon, on est reparti. Un dresseur inconnu, viens un peu par ici. Donc, j'ai checké, moi j'ai le son dans mes oreilles, donc je comprends toujours pas pourquoi vous n'avez pas le son. Je vous mettrai une musique de fond, ce n'est pas très grave. Un combat lancé par Nettoyeur Ewan. Je ne sais pas. Un frisson est envoyé par Nettoyeur Ewan. Donc qu'est-ce que c'est un frisson? Ah d'accord, oui, je connais. Alors un frisson niveau 6, mal. On va envoyer du Larvouille et on va faire morsure. J'ai pas encore vérifié en quoi Larvouille évoluait. Il me semble que c'est. Il a évolué en une sorte de dinosaure. Et je ne suis pas sûr, donc je vérifierai. Je ne sais plus parler. Je vérifierai à la fin de l'épisode. Voilà, donc on lui fait plutôt mal, c'est carrément cool. D'accord. Bon, ce n'est pas grave. Alors, on va continuer sur du morsure, hein, soit tic pas, on a que ça comme attaque de toute façon. Donc, on continue. Ce n'est pas. Non, mais. Comment? Bon, je me plains, voilà. Frisson, on en parle ou pas? C'est un Pokémon. C'est Michael Jackson en taureau. Enfin, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Voilà, je me plains. Oui, je me plains. Larvouille va bientôt passer au niveau 9. Donc ça, c'est plutôt cool. Pour l'instant, on n'a que des filles dans l'équipe. Donc ça ne me dérange pas. Je ne suis pas sexiste. Mais voilà, un peu de garçons, ça serait pas mal. Un peu de diversité. Donc 3 filles, 3 garçons. Donc on a mis le frisson KO. Ok, Larvouille va passer au niveau 9. C'est carrément cool. Peut-être qu'il va tenter de passer au niveau 10. Non, oui, non, non, oui, non. D'accord. Un Simiabras, donc ça je connais très bien. Ok, on va garder notre Larvouille parce que les attaques de type feu, ça lui fait pas mal. Est-ce qu'il a des attaques de type combat? Je ne sais même pas si ça me fait mal. Allez, on va continuer sur du morsure. D'accord, bon, griffe, attaque de type normal, ça devrait pas trop me faire mal. Je pense, voilà. Larvouille, franchement, j'aime bien ce Pokémon. Je l'aime bien, voilà. On lui fait pas super mal, nous non plus. Hein. Ah, je sais ce que je vais faire. On va envoyer notre Carnage. Et on va lui faire des attaques de type vol. Il me semble que les attaques de type vol, ça fait mal au type combat. Allez, Carnage. Donc, un Simiabras niveau 6, hein, toujours. Aïe, aïe, aïe. Ça doit pas faire trop mal normalement. Ouais, donc ça va. Il nous brûle pas. On va essayer de faire tournade. Allez. Allez. Si on one shot, ça serait plutôt cool. Mais je pense pas que. Ouh, oui. Ah, oui, d'accord. Ça fait très très mal. Donc là, on va peut-être passer au niveau 10. Hein. Avec ce. Ah, ouais, on va partager les points. Bon, c'est pas grave. Et on passe au niveau 10 quand même. C'est carrément cool ça. Donc Carnage qui monte au niveau 10. D'accord. Et Larvouille, non. On a battu. Eh bien tu m'as bien eu. Quelle force pour ton âge.
et on remporte 240 Poké-Dollars. Donc là, on va continuer. Alors, au fait, j'ai un truc à partager avec toi. Antipara. Bon, ça servira un jour ou un autre, hein, de toute façon. Café orange l'objet. Si t'as un Pokémon paralysé, ça marche nickel. D'accord. C'est pas possible qu'un Pokémon se fasse la malle tout seul. Il a peut-être eu un accident. Allez. Oula. Donc non, on va plutôt passer par là. Allez, on va... Ok, d'accord. Donc là, on n'a toujours pas le droit de capturer de Pokémon. Hein. Vu que notre carnage, on l'a capturé dans cette zone, il me semble. Je me suis entraîné sur des vols Cradopo hein, pour faire up mes Pokémon. Ça fait gagner plutôt pas mal d'XP, donc c'était carrément cool. On va pas se battre par contre, on va peut-être fuir. Merci. On va essayer d'avancer un peu parce que là on est un peu bloqué les gens. Hein. Déjà l'épisode 4, on fait pas grand chose. Alors, poif. Cet abonnement, ce serait pas... je cherche de ce côté. Toi, tu prends l'autre coin. Bon chien, les gens. On en parle ou pas? C'est un Pokémon, hein? Qui s'appelle Ponchien. Est-ce qu'on en parle? Allez. Un Elidel. Un Elidel, ouais, c'est ça. Ça, c'était des Pokémon de la... Dans Pokémon Saphir, il me semble. Hein. Des Elidel. C'est des Nirondelles, il me semble, à la base. On va pas parler de Elidel non plus, hein. Donc là, cette team... Comment elle s'appelle la team de Pokémon noir et blanc 2? C'est la... Ah, je me souviens plus, par contre. J'ai un petit trou. Bon chien. Poif! Ce cri, tu l'as trouvé? Super! Bouge pas. Je vais chercher Monsieur JP. Toi, surveille le ponchien. Arrgh, ingénieur. Mais bon, voler sa sucette à un bébé Brayard. Brayard, oui. Ça me fait pas peur. Tu connais la Team Plasma? Oui. Voilà, la Team Plasma. Exact. Ce sont les guerriers de la liberté des Pokémon qui ont tenté de conquérir une île pour leur cause il y a 2 ans. Bah, les faibles d'esprit ne peuvent pas nous comprendre, évidemment. Par contre, quelle poisse. En poursuivant ce ponchien... Je me retrouve dans ce trou perdu. Et maintenant, un mioche m'a découvert. C'est de ta faute. Tout ce qui m'arrive. Il n'y a pas 36 solutions. Tiens. Ok. Souffle glacé. Oups, j'ai appuyé sur pause. Excusez-moi. J'ai un problème. Il faut que je déplace la touche pause parce qu'elle est juste à côté de ma touche B en fait. Hop. Ça me laisse le temps de m'enfuir. D'accord. D'accord. Oh, ils étaient plus courageux dans les autres versions, hein, j'ai envie de vous dire. Alors, salut. Pouf, pouf. Je vais très bien le chien, hein, le pont chien. Ok, donc là, ils arrivent. Oh, souffle glacé, j'espère que je pourrais la prendre à un Pokémon. Ça pourrait être carrément cool. Oh, pont chien. Mais qu'est-ce qui t'a fait de te perdre jusque-là? T'étais pas bien à la maison? Ben, en tout cas, en tous les cas, ce n'est pas français, monsieur. Non, ce n'est pas français. Je vous dois une fière chandelle, les petits hauts. Ah d'accord, c'est une fille de la campagne, très bien. C'est tout, vous êtes gonflé, vous. Et si votre Pokémon avait vraiment disparu? Faut faire plus attention. Oui, excusez-moi. Donc voilà, c'est une femme de la campagne. Je n'avais pas tout de suite compris. Il est un peu stressant, ce gamin, et mal poli. Ces histoires de disparition, ça commence à bien faire. Allez, bon chien, tout le monde t'attend, on rentre. Oula, mais j'ai un vrai problème avec la touche pause, les amis. Hein. Alors, bon, on va tout de suite aller voir si on peut utiliser le souffle glacé. Alors, comment ça marche? Ok, souffle glacé. Un souffle froid blesse l'ennemi, l'effet est toujours critique. Ok, d'accord. Alors... personne n'est apte, d'accord, très bien. Alors, bon, on va continuer. Enfin, on va rentrer tout simplement. On va prendre la Pokéball au passage. D'accord, très bien, très bien. Alors, qu'est-ce que c'est? Un Elidel toujours. Alors, bon, on va fuir, hein, on va essayer d'avancer un peu, les gens. Ou peut-être qu'on peut le tuer. Bah. Pour que la rouille passe au niveau 10, mais bon, c'est pas non plus une nécessité
première. On peut pas fuir, d'accord. Bon, il fait puissance, on va quand même. En fait, j'ai pas envie de le tuer, je préfère avancer un peu. Mais si je peux pas fuir. Allez. Allez. Ah bon, on peut pas fuir, on va le tuer. J'espère qu'il me fait pas trop mal. Ok, ça va, ça va. Allez, on va essayer de le tuer, les gens. Ok, bon, il continue à faire des pics, pics. Allez, la rouille. Montre-lui. Ok, c'est super. Allez, là, un petit coup critique pour le finir. Ok, il fait puissance, mais ça échoue. Allez, la rouille. Super, la rouille. Ça, c'est du Pokémon. Et il monte au niveau 10. Alors, tu n'apprends rien, non? Non, d'accord. De toute façon, ils vont pas évoluer, enfin, apprendre des attaques maintenant, vu que ils sont déjà des évolutions déjà un peu avancées, il me semble. Larvouille, ça doit être la deuxième. Je vérifierai tout ça, de toute façon, après cet épisode. Oh là là, c'est pas possible. Laissez-moi faire mon let's play. Oh, un macacrin, voilà. J'allais dire un macaron. Bon. C'est un Pokémon de type glace seulement ou... Bon, je sais pas. On va l'esquiver. Ça, j'en voyais beaucoup sur Pokémon Platine à Frimapic. Je faisais up mes Pokémon, je me rappelle. Allez, on va partir de là. Hop. Est-ce qu'on peut partir par là? Ok, c'est bon. Elle est toujours là pour soigner mes Pokémon. Ok, où sommes-nous? D'accord. On va lui parler pour voir si elle peut soigner nos Pokémon. Non, d'accord, très bien. Au revoir. Ah si, c'est bon. Bon, elle nous a remercié d'avoir sauvé son bon chien. Et elle nous soigne. Donc c'est plutôt cool. Allez, on va rentrer. Alors, donc là, on était déjà venu par là, donc... Pas le droit de capturer. Oula, peut-être que je me suis trompé. Ah non, c'est bon, ok. Je crois que j'avais pas le droit de capturer de Pokémon, mais si, c'était le range d'Amélie, donc on avait le droit. Et là, où sommes-nous? Oula. Bon. Route 20. Bon, vous me direz dans les commentaires si j'avais le droit. Si j'avais pas le droit, désolé, mais bon, c'est pas très grave. Allez. Donc il me semble que faut passer par là. Je sais pas trop. Ah lui, voilà, c'est lui qui va nous parler. Oh. T'as pu donner sa carte à ton ami? Mais dis donc, la dernière fois remonte à il y a pas 3 secondes, et pourtant, ton équipe et toi avaient énormément changé. Bon, pas d'entraînement pour vous, en fin de compte. À la place, vous allez me rendre un petit service. D'accord, très bien. Où vas-tu, Goya? Si, tu me laisses? D'accord, très bien. D'accord, Goya. Bon, on va le suivre. Hein. Allez. Je sais plus du tout ce qui se passe. Alors. Monsieur Goya, c'est cette personne qu'on a entraînée? Mais ça a l'air d'être un dresseur super balèze. Je n'en doute pas. Mais même en perdant, on apprend. L'essentiel, c'est de profiter des combats Pokémon. Je vous le répète, suffisamment, non? Cafeu, à toi. En fin de compte, c'est toi qui vas entraîner les petits. Je vais te montrer que mon Pokémon est le plus super. On dit pas le plus super, hein, monsieur, non. Alors, c'est parti. Alors, qu'est-ce que tu as comme Pokémon? Un combat est lancé par élève Julius. Un flottajou est envoyé par élève Julius. Julius. Ok, bon, un flottajou, on va lui faire un petit morsure. Bon, ils sont niveau 9, bon, ça devrait aller, hein. Attaque de type il est Pokémon. C'est un Pokémon de type O et quoi? Je ne sais pas. Allez, on va partir sur du morsure. Ouais, bon, ça lui fait carrément mal. Allez, essaye de le touchot. Essaye de le touchot, Larvouille. Ça serait plutôt cool. Oh non. Bon, c'est pas très grave. Voilà, il a la trouille, donc c'est pas très grave. Et on le finit. Voilà. Bon, les gens, sur la chaîne, j'ai envie de la diversifier un peu, j'ai envie de vous dire. Donc, je sais pas si je vais continuer à faire que du Pokémon, c'est sûr que j'en ferai encore. Mais peut-être que je vais me lancer dans d'autres jeux. Donc, pour l'instant, je continue le Pokémon. Hein. Déjà, je vais essayer de finir ce let's play.
Vous avez été incroyables tous les deux. Bon, et maintenant? Oui, monsieur. Mais d'abord, je dois soigner l'équipe de café. Donc, je vais peut-être. Je vais déjà finir ce let's play. Donc, là, on est au quatrième épisode. Je sais pas combien il y aura d'épisodes parce que le quatrième épisode, on n'a toujours pas de badge. Ça risque d'être un peu compliqué. Ensuite, je vais essayer de continuer la série sur Pokémon, Pokémon Ruby. Il me semble que c'était sur ça. Donc, un tartare. Donc, essayer de finir continuer la série sur Pokémon Ruby. Donc, faire les légendaires, aller sur les îles. Et ensuite, je sais pas sur quel jeu on ira. Ça sera du Pokémon, mais le. Je sais pas. Je sais pas. Je pense faire un let's play sur un Pokémon. Soit Pokémon Rouge Feu, soit. Bon, on lui fait pas trop mal, on va switcher. Soit Pokémon Rouge Feu, soit je ne sais pas. J'aimerais bien faire un Pokémon sur Game Boy parce que déjà c'est plus simple. Ça lag un peu moins. Donc là, je sais pas si vous voyez que ça lag. Donc ça lag pas énormément, mais ça lag un peu. Donc peut-être un let's play sur Game Boy pour que ça lag moins le temps que j'ai mon nouveau PC. Et après on verra. Et donc j'ai quelques jeux en ma possession. Je sais pas encore sur quoi je vais vous faire le let's play, mais bon, on verra. Histoire de diversifier la chaîne un peu pour pas que ça me saoule. Pour pas être trop répétitif, parce que du Pokémon, je vais finir par me lasser assez rapidement. Donc déjà là on va finir ce let's play qui est plutôt passionnant, hein, où je suis totalement énervé H24 quand je filme. Mais bon, c'est pas très grave, je m'amuse, hein, c'est l'important. Et j'espère que ça vous plaît, vous aussi, que vous vous amusez. Je sais que dans les épisodes 1, 2, 3, même enfin plus 1, 2, j'étais un peu... voilà, j'étais un peu énervé parce que je n'arrivais à rien tout simplement. J'avais pas de bons Pokémon, j'arrivais même pas à capturer de nouveaux Pokémon. Donc là, ça commence à changer un peu, donc avec Carnage et Larvouille. Donc pour l'instant, on s'en sort. On va essayer. On n'a pas perdu de Pokémon d'ailleurs pour le moment. Ce qui est d'ailleurs un miracle. Je me rappelle, l'épisode 3, j'ai oublié qu'on était en Nuzlocke Challenge et j'ai failli perdre un Pokémon, mais bon. Pour l'instant, là je suis focus et on survit et on bat Tartare. Tartare d'oignon, voilà, c'est une petite blague. Et voilà, Carnage qui monte au niveau 11, donc c'est plutôt cool. Est-ce qu'il apprend des attaques? Je pense pas. Hein. Non, voilà, il apprend pas d'attaque. Et Larvou qui monte au niveau 11 aussi, donc faudrait faire up à Région maintenant. Alors on a battu élève Sari. Quoi? J'ai perdu alors que les affinités jouaient à mon faveur? Bon, voilà, on l'a battu plutôt facilement, hein, j'ai envie de dire. C'était vraiment un combat enthousiasmant. On sentait vraiment la joie des Pokémon. Alors, Cafeu, les types, c'est très important dans les combats, pas vrai? Le type eau est fort contre le type feu. Le type feu contre le type plante. Et le type plante contre le type eau. Ça veut pas dire que les types font tout dans un combat. Mais si le type d'un Pokémon, c'est le même que celui d'une capacité à lui. Ben, cette capacité, bon, je ne comprends pas, elle ne parle pas bien, je ne veux plus, voilà. Rencontrer des nouveaux Pokémon, de nouvelles têtes, c'est tout le plaisir des voyages. Bon, je bug un peu, et alors? Ouh là là, qui es-tu, mon ami? Bonjour. Bonjour, je sais. Nous ne nous connaissons pas. Tout cela est très soudain, mais prends ceci sans rien dire. Ok. D'accord, je reçois une médaille. C'est une boîte médaille et je m'appelle Aimé Déon. Je demande à tout hasard, où es-tu entendu parler de la chaise aux médailles? Non, je connais pas. Vraiment, allez, laisse-moi t'expliquer. Ça me fait tellement plaisir en plus d'être une obligation contractuelle. La chasse aux médailles est une compétition sanctionnant certains affluents des dresseurs. Et pour te féliciter d'y prendre part, voici donc une première médaille. Ok, d'accord. Par contre, je connais pas du tout ce principe, hein, de médaille. Et pour faire bonne mesure, une pincée de médaille indice. Cafeur reçoit 6 médailles. 6 médailles indice. Tant que j'y pense, lorsque tu as rempli les conditions d'obtention de certaines médailles, passe faire un tour dans un centre Pokémon. Ton brave aimé sera là pour te remettre ce que tu mérites. En tous les cas, utilise ta boîte médaille et pense à en vérifier le contenu. À très j'ai mis pause, voilà. À très vite.
Donc les gens, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires à quoi ça sert. J'irai sûrement vérifier, mais au cas où j'oublie, dites-le moi dans les commentaires. Comme ça, c'est sûr que je le verrai. Alors, Cafeux, tu sais, il y a une nouvelle arène à Pavoné. J'ai aussi entendu que son champion était arrivé. Essaye de te frotter à lui si tu veux connaître ton niveau. Allez, on va essayer de se frotter à lui. Bon, déjà d'y aller. Donc Pavoné, où est-ce que c'est? Faut continuer par là ou faut aller... je sais pas. Donc là, est-ce que c'est Pavoné? Où sommes-nous? Ça doit être là. Tour l'horloge. Je ne sais pas où nous sommes. Ah non, donc là, on n'est pas au bon endroit. Donc où est-ce que c'est? Bon, les gens, on fait une petite ellipse. Bon, je suis arrivé ici, donc j'ai juste continué. Hein, c'est là où on était depuis un bon moment. Je pense que c'est par là. Je suis pas allé vérifier, mais ça doit sûrement être par là. Vérifions. Alors, comment ça? Tu veux continuer alors que tu n'as pas un seul badge? Donc non, c'est pas par là. Re-ellipse. Ok, les gens. Donc il me semble que ça doit être par là. Hein. Donc je vais juste retourner en arrière. Et Goya m'a interpellé. J'avais oublié quelque chose d'important. Il me donne une baie au rang. D'accord, très bien. Donc je range la baie au rang. Ce sont des baies au rang. Donne-en à tes Pokémon pour leur redonner des PV. Un truc de dresseur aussi. Si tu veux tenir une baie à un Pokémon... Bon, ça, j'imagine que tout le monde le sait. Si vous ne le savez pas, c'est très bizarre. Ok, très bien, monsieur, je m'en fous. Je veux juste aller me frotter un champion d'arène. Oh yeah. D'accord, donc je vais juste vous montrer d'où je viens. Donc c'était juste là, hein, le centre Pokémon. Donc on est parti vers Pavoné. Donc on devait y être tout à l'heure, hein, j'imagine. Allez, petite esquive, bam bam. Tu connais pas l'esquive, hein, tu connais pas. Alors. Je pense que c'est par là, c'est faux, c'est pas du tout par là. Mais vu qu'il nous a interpellé, j'imagine que c'est par là. Alors. J'ai cru que j'avais encore appuyé sur pause. Allez. Alors. Pavoné. Donc oui, c'est là. Oula, qu'ai-je fait? D'accord, j'ai ouvert une fenêtre dont je ne connais pas. Donc je sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, est-ce que nos Pokémon sont soignés déjà? Intéressant. D'accord, là vous, ok. Bon, Réjo n'est pas surpuissant. On va essayer de s'en sortir. Déjà, on va essayer de trouver la reine pour s'en sortir. Voilà, ça doit être ça. Allez, let's go. On va faire la reine et on va se laisser. Est-ce que c'est ça la reine déjà? Non, ça a pas l'air d'être une arène. D'accord, c'est une école. Ah, si, peut-être en continuant, non? Arène de Pavoné, ok. Champion Tyrène, dresseur estimé. Donc ça sert à rien de savoir de quel type sont ces Pokémon. Ok, de toute façon on peut pas. Très bien. Alors. Bonjour, je suis le guide des arènes et je m'appelle Guido. Merci de ta visite aujourd'hui. Pour célébrer cela, tiens. Eau fraîche, donc ça te donne 100 PV il me semble. Hein. Café range l'objet d'un médicament. Les arènes servent à évaluer les talents des dresseurs. Pour faire simple, si tu gagnes contre le champion, on te reconnaîtra comme un bon dresseur. Si tu n'as plus de Pokémon en état de se battre, tu dois déclarer forfait. C'est pour ça que je te conseille de venir avec le plus de Pokémon possible. Bon les gens, ellipse et je vais acheter des potions. Si j'ai le temps. Alors, un challenger. Bienvenue à l'arène de Pokémon. À l'arène Pokémon de Pavoné. J'ai encore appuyé sur pause, je suis Tyrène, champion, le champion. Je devrais être plus précis et dire le champion d'arène. Le nouveau champion, peut-être. Et plutôt que me perdre en détail, je devrais apporter les derniers préparatifs à l'arène pour t'accueillir. Comme il se doit. D'accord, très bien. je ne sais plus parler. Nous devons traiter nos challengers comme il convient, alors à vos postes. Ok, est-ce que j'aurai le temps d'acheter... Si tu arrives à vaincre ces deux dresseurs, tu pourras m'affronter. Ok, bon, les gens, ellipse, on va acheter des potions. Ok, les gens, on est parti. On a acheté des potions. Ok, merci. Je pensais qu'il allait m'arrêter. Monsieur Tyrène a confiance en moi. Il m'a choisi pour être dresseur d'arène. Ok. Ok, donc on est parti. On est plutôt
Plutôt bien, voilà. Moi, je suis décontracté. Je ne pense pas du tout à perdre des Pokémon. J'ai pas du tout peur. Non, ce n'est pas vrai. Alors, un Corillon, c'est un Pokémon de type quoi, ça déjà? Il évolue en Eoko, là, ou je sais pas quoi, mais je crois que c'est un Pokémon de type psy, hein. Donc, une petite morsure, il devrait être dans l'orange ou dans le rouge même. Allez, on est parti. Il me semble que c'est un Pokémon de type psy, hein. Alors, morsure! Ouais, ça. Ouh! Tu l'as senti! Il fait rugissement, donc il nous baisse l'attaque, c'est pas très grave. Et on va le finish him avec une petite morsure. Allez, ciao! Ciao, ciao, ciao! Donc faudrait que j'apprenne de nouvelles attaques ou que j'en trouve, parce que là, on va pas s'en sortir avec des attaques comme ça, les amis. Le coréen ennemi, KO! Donc je le rappelle au cas où. Au bout du quatrième épisode, si vous voulez jouer un Pokémon, qu'est-ce qu'il m'envoie? J'ai pas trop bien lu. Si vous voulez jouer un jeu Pokémon randomisé comme ça, vous allez voir sur ma chaîne, j'ai fait une petite vidéo. Donc une vidéo explicative, où dans la description de la vidéo, vous avez déjà les liens pour télécharger des jeux déjà randomisés. Et dans la vidéo, je vous explique comment les randomiser par vous-même. Donc si vous voulez... Parce que moi, les Pokémon randomisés que j'ai fait, c'est des full random. Donc, si vous voulez pas des full random, vous regardez la vidéo, vous regardez comment faire et vous le faites. Si vous avez un problème, petit message dans la description et je vous aiderai. Ok, on est reparti. Donc, un Karatroc. On va envoyer du carnage. Donc, arrêt jaune, là, il va être beaucoup moins sollicité. Je peux pas échanger. What? Non, il m'a fait ligotage. Ah mince. Ah ouais, j'avais pas prévu ça. Bon, on va faire une petite tempête de sable. Allez, on va s'en sortir. On va pas perdre l'Arvouille, hein, c'est pas possible. Je ne l'accepterai pas. Allez. Une tempête de sable se prépare. Il nous fait une petite roulade, ça nous fait rien. Parce que nous, on est complètement badass. Voilà, super. J'espère que la tempête de sable lui fera un peu mal quand même. Allez, 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 on s'active, on s'active. Alors. Bon, on va continuer sur du morsure en attendant. Allez. J'espère que ça l'affecte au moins, la tempête de sable. Bon, roulade, ça nous enlève 2 PV. C'est pas très puissant, tout simplement. Allez. Pourquoi la tempête de sable ne l'attaque pas? Je ne comprends pas. Je suis dans le caca. Bon, allez. Il faut que je me sorte de ce ligotage, là. Et que je switch de Pokémon. Même si à la longue ça devrait le faire avec morsure. Hein. Oh, c'est pas possible. Allez. Je suis sûr qu'il va me le refaire à tous les coups. Ok, donc pourquoi j'attaque en premier cette fois-ci? Ah non, j'attaque en premier depuis tout à l'heure en fait, peut-être. Erreur! Très bien, allez. Donc là par contre, il va falloir faire gaffe. J'espère qu'il va pas trop me faire mal. De toute façon, j'ai acheté des potions. Ok, le ligotage ne fait plus effet. Je préfère quand même switcher de Pokémon, les gens. Donc, on va envoyer Carnage. Ok. Mince, j'ai encore appuyé sur pause. En fait, le ligotage fait toujours effet. Erreur. Alors, on va continuer sur du morsure. Hein. Alors, on n'a pas trop le choix en même temps. Ok, bon, on lui fait plutôt pas mal, enfin plutôt mal. Alors, le ligotage, ça dure combien de... Oula! Oulala! 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 On switch. Merci, au revoir. J'ai cru... Roulette, c'est une attaque du type sol, donc ça doit aller. J'ai cru qu'il allait me tuer. Bon. On s'en sort. Bon, il nous fait ligotage, c'est pas très grave vu que j'ai l'intention de le tuer. Alors, on est parti. On va faire une attaque de type vol. Bon, c'est quoi les bails là? Pourquoi tu me fais deux fois ligotage? Allez, tournade. Espérons que ça le one shot. Allez, allez, tue-le. Bon, ça lui fait quand même assez mal. Il nous fait roulade, ça devrait pas trop faire mal dans mes calculs. Ok, mes calculs étaient bons. Et là, si mes calculs sont toujours bons, on devrait le finir. Allez, c'est parti.
Tornade. Ok, adieu. Au revoir. Au revoir. Si tu survis. Voilà, il est mort, les gens. Donc, on a battu le premier sous-fifre, si je puis dire. Et Carnage qui monte au niveau 12, c'est plutôt cool. Ok, donc l'Arvouille qui va pas monter, d'accord, très bien. Tu es fort comme dresseur, pas de zibatata, d'accord, très bien. Allez les gens, si tu gagnes contre ma copine, je sais pas quoi. Et je vais te montrer que ce... voilà, fail. Je vais te montrer ce que Monsieur Tyrène m'a fait étudier. Voilà, j'ai fait une petite ellipse pour soigner mes Pokémon. On est parti. Alors, tout simplement pour pas avoir une vidéo trop longue, ça fait déjà pas mal de temps, donc voilà, une petite ellipse. Alors, un Hypocéan. On est parti. C'est un Pokémon de type Dragon et Eau. Donc Dragon et Eau, Dragon et Eau, Dragon et Eau. On va essayer de lui faire du morsure, on va voir ce que ça lui fait. Allez. Donc c'est un Pokémon de type Eau déjà, d'accord, c'est sûr. Moi je suis sol, donc ça va me faire plutôt mal. Aïe! Non! Non! Oh, mais c'est pas possible! Mais non! Oh, mais sérieusement! Oh, je suis dégoûté! Oh, comment je suis dégoûté! Genre, il me l'a one shot! Oh non! Alors là, je suis dégoûté! En plus, il m'a tué l'Arvouille, ce... Oh. Bon, c'est pas grave. Ouais, les gens, je suis désolé, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu un problème avec ma sauvegarde. Donc, on est arrivé jusqu'au champion d'arène. Et on a perdu. On a perdu, on avait l'Arvouille qui s'est fait tuer juste avant. Donc, au combat contre le Hippocampe, l'Hippocampe. Ensuite, on a eu... J'ai envoyé Larvouille. J'ai envoyé qui? J'ai envoyé Carnage. Non, j'ai envoyé Arrée Jaune qui a paralysé Aitron. Donc le champion d'arène, il avait un Aitron en premier Pokémon. Donc il l'a paralysé. Ensuite, il a tué Arrée Jaune. Donc après, j'ai envoyé mon Carnage, donc mon dernier Pokémon. J'ai essayé de m'en sortir. J'ai réussi à battre le Aitron. Carnage est monté au niveau 16. Il était full life. Ensuite, il a envoyé son dernier Pokémon, son deuxième et dernier Pokémon qui était un Greyana. Donc j'étais full life. J'avais mis deux attaques, j'avais fait deux tournades à Greyana. Il était dans le orange, je lui mettais encore une attaque, il était mort. Et il m'a fait une morsure et je suis mort. Donc je suis désolé de ne pas avoir record ça, j'étais vraiment sûr de l'avoir fait. Donc je sais pas pourquoi ça n'a pas marché, donc désolé. Donc résultat des courses, les gens, on a perdu. La série s'arrête. Vraiment désolé, on n'a même pas réussi à gagner un badge. En fin de compte, heureusement que j'ai pas fini, enfin, ça n'a pas filmé parce que j'étais vraiment dégoûté. Je me plaignais, j'étais vraiment, je suis toujours mal. Donc désolé, je suis pas habitué encore de ce Nuzlocke Challenge. On en refera de toute façon sur la chaîne. Je sais qu'on n'a pas gagné un badge, bon, il y a eu 4 épisodes. De toute façon, le Pokémon ça continue sur ma chaîne. J'espère quand même que cette série vous aura plu. Essayez de pas trop me critiquer dans les commentaires. Et n'hésitez pas à laisser un like sur la vidéo, même si on s'est fait expulser comme de gros caca et que j'ai oublié de filmer en plus. Donc j'espère que cette série vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vert sur toutes les vidéos de cette série. Et on se retrouve probablement pour une autre série. Donc je sais pas encore, peut-être Rouge Feu, je sais pas encore, on verra ça. Donc je vous dis à plus, merci d'avoir regardé la vidéo et encore désolé. Allez, ciao!